C'est 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins par rapport à l'année dernière, et notamment grâce au travail très important que nous avons fait depuis plusieurs semaines de saisie, de contrôle aux frontières et de changement de stratégie depuis les émeutes urbaines que nous connaissons. Donc nous avons évidemment aussi beaucoup d'interpellations, hein, 380 interpellations sur l'ensemble du territoire national, mais c'est aussi 10% d'interpellations en moins par rapport à l'année dernière. Donc c'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de calme.